Une participante de marque au cyclocross doré ce samedi. La pontivienne est championne de France du contre-la-montre Audrey Cordon. Elle prenait part ici à son 4e cyclocross de la saison avant de s'aligner le lendemain à la Narvilly. Une course préparatoire dans des conditions loin des critères de la routière. Ouais, pour moi c'est vraiment, je crois, le cyclocross le plus dur que j'ai fait jusqu'ici. J'en ai pas fait beaucoup, mais sur les 15-20 que j'ai fait, c'est vraiment le plus dur. Une partie très technique dans la descente là-bas qui me correspond pas du tout, parce que je suis pas du tout technique. C'est vrai que moi j'aime bien quand c'est roulant, que ça ressemble plus à la route. Mais bon voilà, il en faut pour tout le monde et j'ai quand même réussi à gagner, donc c'est bien. Oui, une victoire sans grande bataille, si ce n'est contre elle-même, le chrono et les éléments. Un 4e succès en 4 sorties, les roues dans la boue. Oui voilà, 4e sur 4, c'est bien. C'est parfait. Bah moi je suis compétitrice dans l'âme, donc même si c'est pas ma discipline de prédilection, c'est vrai que quand je prends le départ de n'importe quelle course, que ce soit en course à pied ou en vélo, je veux toujours gagner, donc je me donne à 100% et puis c'est une super préparation pour la route qui va commencer là au début février. Au-delà de la victoire et des perspectives à venir, la championne apprécie courir à la maison devant son public. Ah ouais, moi j'aime bien et puis courir en Bretagne devant des gens que je connais, c'est toujours très sympa et puis il faut faire honneur aussi aux organisateurs qui ont beaucoup de mal à organiser aujourd'hui les courses. Donc quand on peut venir, j'essaie toujours d'être là. Audrey Cordon s'est légèrement blessée au genou sur le tracé sélectif alréen, mais la coureuse ne semblait pas inquiète et elle a répondu à ses fans sans sourciller. Après la Narvilly dimanche et Topon samedi prochain, Audrey Cordon prendra la route avec son équipe Wiggle Honda. Elle sera au départ du Tour du Qatar du 2 au 5 février.